Let's go to hell. GrannySmith.fr. La pomme verte. Bonjour. Salut Hellfest, évidemment, nous sommes de retour avec les reports vidéo comme vous avez fait en 2019 et comme on ne vous a pas fait en 2020 ni 2021, car si vous n'avez pas vécu dans une grotte, vous savez qu'il n'y a rien eu ces deux années. Très heureux de vous retrouver, très heureux de profiter du seul moment d'ombre et de frais qu'il y aura cette journée au jour où on enregistre, puisque on va se taper des 42 degrés, ça va être un enfer. Mais bon, on est quand même là pour vous raconter ce qui s'est passé le vendredi. Et à ma gauche, quelqu'un que vous avez déjà vu, c'est monsieur Tim. Bonsoir. J'espère que ça va bien. Ah bah ça va nickel, je suis relativement frais, ça a pas duré, mais pour l'instant, jusqu'ici tout va bien. Et à ma droite, Renaud n'est pas là, mais on l'a remplacé par quelqu'un qui a participé aussi dans l'ombre, en relecture, aide à l'écriture, etc. C'est monsieur Victor. Bonjour. Comment ça va, Victor? Ça va pas mal pour l'instant, mais comme tu l'évoquais, les 40 plus degrés risquent d'être fatal. Fatal. Fatal avec un S. Fatal, c'est rigolo. Oui. Pour ceux qui ne sont jamais allés au Hellfest, il faut savoir qu'il y a trois tentes qui sont couvertes, qui sont la Vallée, l'Altar et la Temple. Et que le reste des scènes ne sont pas couvertes, donc les deux main stage et la Warzone. Donc ce qui fait que tous les concerts de l'après-midi, il faut les faire à votre risque et péril. Alors le Hellfest a prévu des grands GAO, des passages pour aller se mouiller, etc. Mais ça reste quand même, c'est à vos risques et périls, comme je l'ai dit. Alors comment ça va se passer ce premier report? Et on va juste déjà discuter un petit peu du Hellfest, déjà ce qu'on en a pensé quand on est arrivé, parce qu'il y a des petits changements, des petits coups de peinture, etc. Puis je demanderai à Victor ce qu'il en pense, puisque pour lui c'est un baptême du feu. Il a déjà fait d'autres festivals, donc il pourra avoir un petit point de comparaison. Et puis je demanderai aussi qu'est-ce qu'on avait comme attente pour la journée du vendredi. Donc je vais attaquer par toi, Victor, déjà sur ton arrivée et sur ce que t'attendais de ce premier Hellfest. Alors ce que j'attendais, c'était une découverte. J'étais jamais venu, donc je me demandais à quoi ça ressemblait, à quoi la masse de gens pouvait ressembler. Enfin, en termes de nombre, je me rends pas trop compte. Et du coup, très surpris par toutes les infrastructures. Je pensais pas que c'était aussi poussé, en fait, tout le concept visuel, les décors et tout. Je m'y attendais pas du tout, parce que j'avais fait des festivals qui étaient plus agricoles, on va dire, tu vois, qui étaient plus simples, on va dire. Et c'était une belle découverte, tout ce côté, tout le concept visuel qu'il y avait derrière, auquel je m'attendais pas du tout. Toi, Tim, c'est ton deuxième, du coup. Est-ce que, quand t'es arrivé, t'as remarqué des trucs où t'as dit « Ah ouais, ils ont vraiment changé » ou « Voilà, ça reste, comme je disais, un petit coup de peinture, un petit réagencement, mais il n'y avait rien de bien ». Ouais, non, écoute, quelques petites améliorations ici et là, mais globalement, il n'y a pas de changements fondamentaux que j'ai pu noter. Quelques bonnes idées qui continuent, quelques trucs en plus, mais globalement, j'étais pas désorienté par rapport à la fois où je suis venu, même si c'était maintenant, il y a un bon paquet de temps, même si c'était la dernière édition, il s'est passé des trucs entre les deux. Tout à fait, et si jamais vous êtes des habitués de la chaîne, vous allez voir, vous avez vu, parce que je ne sais pas quand cette vidéo sortira, mais on a aussi fait des interviews. Donc ne vous inquiétez pas, on partagera ça sur nos réseaux sociaux, description, tout ça, YouTube, abonnez-vous, je rends. Du coup, juste avant qu'on attaque vraiment sur le côté report, je vais juste demander s'il y avait un groupe que vous attendiez pour la journée du vendredi. Parce que pour être très honnête, il y avait des groupes le jeudi, mais on les a plus picorés, plus qu'on est allé les voir, on a profité plus du camping et des gens avec qui on est. Du coup, Victor, toi sur cette première journée, est-ce que tu avais un groupe que tu attendais particulièrement ou tu t'es laissé porter? Alors un groupe, un seul, je vais parler de Deftones, qui historiquement est un de mes groupes préférés, et que j'ai vu deux fois. La première fois c'était extrêmement bien passé en 2010, c'était génial, et on a eu le plaisir de les voir ensemble, il y a une dizaine de jours. Merci beaucoup. Enfin plaisir, ça aurait pu être un plaisir s'il y a des jours ça n'avait pas été complètement catastrophique au niveau du son. Donc j'avais espoir que Deftones se fasse pardonner hier en délivrant une prestation qui était meilleure au niveau du son, ce qui fut le cas. J'allais te demander après, mais garde tes cartouches. Toi, est-ce que tu avais une attente? Alors une attente, moi j'avais envie de voir Dropkick Murphys parce que je sais que j'aime beaucoup. J'étais curieux pour The Offspring, voilà. Sans en attendre beaucoup parce que bon, je sais qu'ils sont plus tout jeunes les artistes maintenant. Et puis j'avais une découverte qu'allait être Baroness. Je connaissais pas un seul morceau du groupe en arrivant sur le festival.
Donc je voulais voir ce que ça donnait parce qu'il y a une hype autour de ce groupe, notamment porté par vous-même. Mais non, ouais, c'est ça, c'est un petit peu ça les attentes que j'avais. Mastodon, je les avais déjà vus en festival, je savais à peu près à quoi m'attendre, je savais que ça allait être bien. Et puis voilà, après, les groupes de la vallée dont tu vas pouvoir nous parler en détail, mais globalement, la grosse attente, c'était Dropkick, où j'avais très envie de les revoir, et Baroness, que j'avais hâte de découvrir. Oui, pour ma part, mes attentes, c'était le duo de Géorgie, donc pas le pays, mais l'état des États-Unis, à savoir Mastodon, Baroness, dont on a évoqué leur présence dans l'épisode 10 du podcast La Scène. Et si je fais la pub de ce podcast, c'est parce que c'est moi qui le fais. Donc bon, au bout d'un moment, on va pas se faire chier. Faut bien se filer un petit coup de main de temps en temps. Ouais, voilà. Le créateur du podcast La Scène remercie le rédacteur en chef de Granny Smith pour ce coup de pub. Donc ouais, j'attendais ces deux groupes parce que je les aime beaucoup. Puis oui, il y avait La Vallée, il y avait pas mal de groupes que j'aimais bien. Comme d'habitude, si vous me connaissez, vous savez que je traîne à La Vallée. Et d'autant plus pour le vendredi, puisque c'était un jour de grosse chaleur avec 38-39 en température max. Donc voilà. Bah écoute Tim, c'est toi qui vas attaquer. Voilà, on a parlé un petit peu de nos attentes. Du coup, je vais juste te demander quel a été, sans développer, je vais juste faire le tour, le concert favori de ton vendredi. Sans développer, on verra après. Baroness. Toi donc ? Frank Carter. Et moi ce sera aussi Baroness, donc nous on fera un petit point sur Baroness après, on développera. Je vais laisser Victor expliquer pourquoi est-ce que Frank Carter est son concert du vendredi. Alors Frank Carter, sur le papier, c'est un style dont je me fous complètement, mais j'avais eu le plaisir de le voir il y a quelques années et j'avais été très surpris agréablement, et je me suis dit bah c'était bien la dernière fois, donc je vais y retourner, et là c'était encore mieux. Il a développé son jeu de scène encore plus, qui était déjà très présent. Grosse osmose entre les musiciens, et encore une fois, une très très bonne surprise, malgré un style que je n'aurais jamais goûté en dehors d'un festival. Donc vraiment une très très bonne surprise. Faut dire que Frank Carter, c'est quelqu'un qui est assez réputé pour ses shows. Donc c'est cool de voir qu'il arrive aussi à step up sur les festivals, parce qu'on sait que c'est quand même différent de jouer en salle et de jouer en festival. Donc bah c'est cool si t'as apprécié. Tim, je vais te laisser parler de Baroness, que moi je connaissais, donc ça va, je pouvais développer, surtout que je les ai vus à la date où il y avait Deftones, puisque c'était la date aux Nuits de Fourvière, Baroness, Deftones et Untitled Wild Drums en tout premier groupe. Donc toi qui connaissais pas, je vais te laisser un peu développer sur Baroness. Ouais, alors moi Baroness, j'arrivais en sachant que ça allait être techniquement intéressant et que en termes de show ça allait être stylé, mais j'ai vraiment été surpris par la qualité du son. La qualité du spectacle lumineux et la qualité des compos tout simplement et des musiciens, tout était vraiment vraiment précis, et en plus c'est un jeu qui laisse pas le droit à l'erreur, parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'harmonie entre les deux guitaristes, donc si t'es pas carré, ça va se voir, et non, c'était très très cool, une belle complicité également entre les musiciens, et ça c'est important, ça se voit aussi et c'est cool, ça se voit qu'ils passent un bon moment, les deux guitaristes à s'harmoniser, à se reprendre mutuellement, enfin bon, vraiment un concert vraiment feel good, vraiment très très sympathique, très positif, et puis voilà, les compos sont d'excellente qualité. Mention spéciale pour la guitariste qui avec ses pédales d'effet crée vraiment une atmosphère particulière, et quelque chose dont j'avais envie. Moi je suis un fan des guitares avec beaucoup d'effets dessus, et là j'ai eu beaucoup beaucoup de delay, beaucoup de reverb, des trucs un petit peu expérimentaux, un petit peu ambiant, qui faisaient très très bien le taf, et globalement grosse performance de tout le groupe. Et puis comme je connaissais pas du tout, j'avais un regard frais et neuf là-dessus, et ça a été vraiment une excellente surprise. Je m'attendais à ce que ce soit un groupe, ouais bof, 7-8 sur 10 peut-être 6 si c'est pas ma cam, mais j'ai vraiment vraiment passé un super moment, et il y avait une honnêteté dans la performance, et c'était je pense que ça a mis une claque à tout le monde, parce qu'on est tous sortis du concert en disant ah ça va être compliqué de faire mieux, on est jour 1, la barre a été mise très très haut, donc alors j'avais passé une super journée jusque là, d'ailleurs j'hésitais, Baroness, j'étais d'ailleurs complètement cramé, j'étais mort de fatigue, donc je me suis dit très clairement, si c'est pas assez bien à mon goût, je vais manger, voilà, et je vais me poser quelque part, mais je suis resté de A à Z et j'en redemandais à la fin, preuve de la qualité du groupe, parce que pourtant j'étais vraiment vraiment dans un état de fatigue assez assez prononcé. Donc ouais, non, Baroness, vraiment très très agréablement surpris et vraie belle découverte pour moi, et je pense que tout le monde pourra dire que c'était une prestation de grande qualité.
Ouais, non, franchement, c'était ouf. Le son était très bon, ce qui permettait de bien apprécier, comme disaient les deux guitares quand elles s'harmonisaient, quand il y avait les solos, etc. Et elle permettait aussi d'apprécier les deux voix de Gina Gleason et de John Baisley. John Baisley, chanteur principal. On appréciait la batterie, on appréciait la basse. Enfin, vraiment, tous les instruments étaient très bien placés dans le mix. Les voix étaient très bien placées. Et en plus, leur show-là était très cool. C'est une idée simple, mais ça colle parfaitement. En fait, tous les albums de Baroness sont des titres de couleurs, enfin des noms de couleurs. Donc il y a bleu, rouge, vert et jaune qui est un double album, violet et le dernier qui est Golden Grey, donc couleur et pas couleur, voilà, vous m'avez compris. Mais du coup, à chaque fois qu'il y avait un morceau du dit album, voilà, le light show reprenait ça et ça permettait aussi aux gens qui connaissaient pas de se dire ok, donc ça c'est un morceau, donc les lumières sont bleues, c'est sur l'album bleu, donc je pourrais aller peut-être recreuser derrière. Et ils ont attaqué par un de leurs plus gros morceaux qui s'appelle Take My Bones Away, qui est sur l'album la partie Yellow de Yellow and Green. Et ça a direct en fait mis le public dans leur poche. L'ambiance était folle, la scène, la vallée était remplie à ras-bord. Et ça a fait un boucan. Ça a fait un vrai boucan. Et ouais, non, Baroness, c'était c'est vraiment exceptionnel. Je lancerai juste avec deux petits trucs qui m'ont un peu laissé sur ma faim. Tu parlais justement des harmonies entre les deux chanteurs niveau voix. Il y a des moments où on n'était pas tout à fait bon, ça, c'est compréhensible évidemment, mais c'est largement rattrapé par le charisme de la guitariste, qui en plus d'être une super guitariste, elle emmène vraiment les gens avec elle, et ça c'est très cool. Et l'autre truc qui m'a un petit peu je me suis dit ah c'est dommage, c'est à un moment ils se sont lancés dans un morceau avec une grosse intro acoustique, grosse intro en clean faite par l'autre guitariste, et là malheureusement on a eu droit à quelques pains, c'est un petit peu dommage, mais voilà, c'est vraiment pour chipoter, et ça n'enlève rien du tout au fait que j'ai passé un super moment et que jusqu'à maintenant c'est le concert préféré du festival. Et encore une fois je le répète, il va falloir faire très très fort pour arriver à les détrôner. Du coup, là, on va passer juste, si jamais vous avez une découverte, genre vraiment quelque chose que vous connaissez pas, vous y êtes allé, vous avez fait « Ah ouais, c'est trop bien, je vais rester », je vais te laisser regarder du coup ton running order. Toi, du coup, il y a Baroness, tu viens d'en parler, mais est-ce qu'il y avait autre chose ? Eh ben, ASG, ouais. qui était pas mal du tout. Alors, on a commencé la journée avec Abraham, qui était bien aussi. Ouais. Mais ASG, j'en attendais pas grand-chose. Et là, pareil, j'étais fatigué, j'avais envie d'aller manger, j'étais bon. Mais ils m'ont vraiment emmené avec notamment un morceau où les guitares font beaucoup d'harmoniques naturelles, et j'ai beaucoup beaucoup aimé ce morceau-là, vraiment basé sur la dissonance, sur vraiment très très cool. Donc ouais, ASG avec du joli riff, et pas non plus dans le cliché stoner où on développe le même thème en boucle pendant longtemps, jusqu'à ce que ça perde un peu de substance. ASG, j'attendais vraiment que dalle, et j'étais agréablement surpris, ouais. Victor, pour toi, est-ce que tu avais une découverte ? Alors c'est un groupe dont j'avais déjà entendu parler qui s'appelle The Inspector Clouseau. Et j'en avais toujours entendu du bien, et j'ai pas suivi tout leur set, mais je suis resté un bon moment. Et c'était hilarant en fait, je m'y attendais pas du tout. Ils ont une musique anglophone, mais ils sont francophones et je savais pas. Et il a fait plein de vannes qui étaient très très drôles et qui ont beaucoup amusé le public, je pense. Et c'est ce qui m'a fait rester en partie. C'est ça ma découverte du jour. Adi Chats, les Clouseaux, si vous regardez. Moi, aucune découverte. C'était vraiment une journée où je connaissais tout. Il y a des groupes que je connaissais mais que j'avais jamais vu, genre Witchcraft. Ce qui est très drôle puisque. C'est un groupe qui n'a pas fait l'unanimité du tout. Parce que le chanteur est particulier, Magnus Pellander, c'est un personnage. Moi je savais le personnage que c'était, donc ça m'a pas gêné entre guillemets, mais c'est vrai que c'était particulier. Mais sinon non, pas de grosses découvertes, ce sera plutôt aujourd'hui les découvertes, je pense, et encore. Si, du coup, transition, on pourrait presque croire que c'était bossé, dis donc. L'attente de ce samedi, t'as vu un peu. Si vous, je l'ai fait, je voulais chercher. L'attente de ce samedi, on m'a beaucoup parlé d'Envy, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais ils y étaient en 2019, je crois. Hein. Mais je les avais pas vus, je les avais ratés. T'avais, ouais. Parce que je devais avoir un peu de punk rock ou de metalcore. Ouais, ouais, ouais. Traîner quelque part, j'avais dit. Puis il était tard, t'étais peut-être crevé aussi, t'as peut-être pas envie. J'étais parti, j'avais gentiment bifurqué sur un autre délire. Ouais, ouais. Donc j'ai pas encore vu Envy, je ne sais pas ce que c'est. Mais au camping, dans notre campement de grande qualité, bien sûr, beaucoup de gens nous en parlent et beaucoup de gens me disent que c'est bien. Donc on verra. Ils se sont mouillés, si je suis déçu, ils en subiront les répercussions. Mais j'ai très hâte de savoir ce que ça va donner. Je vais laisser Victor en dernier, comme ça il a le temps de bien peaufiner. Moi ce sera Mono and the Joke Whale Quartet. Parce que je connais Mono, je connais Joke Whale, je sais qu'ils font des trucs ensemble. Et en fait voir un groupe de post-rock avec un quartet de cordes, je suis très curieux. C'est un groupe... Dans cette formation avec Joe Quayle, il y a beaucoup de louanges, paraît-il que c'est vraiment très bien.
Donc voilà, c'est mon attente. Je veux voir si les louanges sont méritées et si la hype est méritée. Donc voilà, ça va être mon attente sur la vallée aussi, tout comme MV en fin de journée, ce sera. Donc bah, ça, vous saurez dans le report du samedi qu'on enregistrera plus tard. Et du coup, Victor, quelle est ton attente pour ce samedi? Est-ce que je peux me permettre, boss, d'en faire trois? Elles seront courtes. D'accord. Alors, première attente, Deep Purple, parce que c'est culte. Je les ai jamais vus et j'ai toujours voulu les voir, donc ce sera le moment de les voir sur scène. Ensuite, Steel Panther, parce que c'est un de mes groupes préférés, entre gros guillemets, on va dire, mais c'est un groupe que j'aime vraiment beaucoup, qui a changé de bassiste et qui avait quand même une part scénique très importante, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner sans lui. Alors, ce qu'ils l'ont remplacé, je sais même pas, je me suis pas renseigné. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner Steel Panther sous cette nouvelle formation. Et l'autre attente, sera une découverte, et ça va surprendre Loïs, mais je vais tenter d'aller voir Pelican. Parce que tout le monde m'en a parlé hier, ça m'a intrigué, pourtant je suis pas du tout friand de ce genre de musique, mais bon, je vais leur laisser une chance et on verra ce que ça donne. Ouais, Pelican, très bien. Pour conclure, puisqu'on on aime le clash, le buzz sur Granny Smith, bien sûr, c'est faux. Mais des petites déceptions, si jamais vous en avez, c'est votre moment, Tim, je t'en prie, si tu as une petite déception, je t'en prie. Ouais, alors j'ai passé un bon moment globalement devant The Offspring, parce que j'avais envie d'entendre ces morceaux, et c'est toujours cool de savoir que ceux qui les ont écrits les jouent pour nous en live. J'ai vraiment trouvé que le chanteur était fatigué, quoi. Ouais, et en début de concert, moi j'ai fait du début à la fin le concert, en début ça allait, mais sur les derniers morceaux, qui en fait sont les morceaux que tout le monde attend, ouais, voilà, c'était compliqué. Et puis j'ai pas beaucoup apprécié Witchcraft non plus. Je suis allé, je les ai photographiés, photos à venir ou déjà publiées sur le site de Granny Smith, probablement à venir, hein, on va pas se mentir, mais effectivement, ouais, Witchcraft, pas emballé des masses, au contraire de Dropkick Murphys. J'en place une pour mes bostoniens sûrs qui m'ont régalé comme d'habitude, parce que tout ce qu'ils font, c'est génial. Toi, Victor, est-ce que tu as une déception sur ce vendredi? J'avais pas d'attente démesurée. Mais il y a des groupes qui m'ont déplu pour leur style musical, c'est tout. Par exemple, Five Fingers Death Punch, c'est un groupe que j'aime bien. Et sur scène, au bout de 5 morceaux, je me suis dit, d'accord, c'est vraiment, ça s'arrêtera là pour moi. J'aime bien ce groupe, mais 1h20, ça, non, c'était trop, quoi. C'était pas une déception, c'est juste que c'est un groupe qui me plaisait pas plus que ça. Et mes attentes étaient modestes, on va dire. Donc tout a été satisfait. Salut One Standing. Bah écoutez, moi j'ai pas trop de déception, parce que... Hormis The Offspring, mais The Offspring, je savais que de toute façon ils chantaient comme une pelle, donc c'était pas une surprise. Et Witchcraft m'a pas déçu, parce que je savais à quoi m'attendre, donc pas de déception. À sa décharge, on est sur un style de chant qui est quand même très très particulier et qui est compliqué à maintenir. Ouais, bien sûr. Avec l'âge. Et, bien sûr. Et encore une fois, j'ai quand même passé un bon moment, c'est la nostalgie qui parle. Et je trouve ça cool de la part du Hellfest de nous proposer un groupe un peu punk rock. Nostalgie comme ça, on avait eu Sum 41, il y en a d'autres qui pourraient venir comme ça, mais un Blink, un Green Day, un Offspring, tout ça, ça sera toujours important d'avoir ça, parce que c'est aussi l'héritage, et c'est là-dessus que ça a été la porte d'entrée de beaucoup de gens, d'une génération entière, la mienne, et donc c'est cool d'avoir un morceau, un groupe nostalgie à chaque fois. D'ailleurs, on a pu voir que ça a ramené un monde, mais un monde, parce que tellement de gens ont commencé avec ça, c'est toujours cool de les avoir, et tout le monde s'est fait plaisir sur cette musique, même si c'était pas fantastique en termes de performance, même le batteur était un petit peu au pif à des moments, mais voilà, tu passes quand même un bon moment, puis c'est The Offspring, et c'est ta jeunesse, les groupes nostalgie, c'est toujours des bons moments, je trouve. Eh ben nous, du coup, on va s'arrêter là pour ce premier report. C'était les reports du vendredi. Ouais, on va aller alterner entre l'ombre et l'ombre, mais on va devoir passer au soleil pour passer entre les différentes zones d'ombre. On se donne rendez-vous donc dans le prochain report, qui sera celui du samedi, le jour dans lequel on enregistre aujourd'hui. Donc on vous dira tout ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, les attentes, on vous rappellera ce qu'on avait, et du coup, quel aura été notre concert de la journée. Profitez bien de votre journée et prenez soin de vous. Nous, donc on se donne rendez-vous pour la suite, et puis bah, restez à l'affût de tout ce qu'on sortira sur grannysmith.fr. Des bisous. Au revoir. Bonsoir.